Comment ça, l'attaque est venue du Japon? Nous sommes alliés. Monsieur le Président, ces attaques sont l'utilisation la plus sophistiquée jamais faite des protocoles de guerre de l'information. L'ordre de tir vient du Japon, oui. Mais tout porte à croire qu'il en fait était donné par une entreprise de sécurité privée, Displace International. Displace? C'est la boîte de Shetland. On est sous contrat avec eux. Qui est Shetland? Ancien marine Reco, parmi les tout meilleurs. C'était l'un de mes candidats pour échelon 3 il y a quelque temps. Mais il n'apprécie guère l'armée, ni les États-Unis. On raconte qu'on lui aurait fait porter le chapeau dans une affaire politique, alors qu'il n'y était pour rien. À l'heure actuelle, impossible de savoir ce qu'il veut vraiment. Et comment désamorcer la situation d'ici là? Les Chinois peuvent peut-être nous aider. Bingo! Echelon a réussi à retrouver la trace de Doug Shetland à Tokyo il y a 6 heures de cela. Il est extrêmement mobile et utilise une connexion sans fil. Et ce que nous avons réussi à décrypter indique qu'il se prépare à conclure son affaire avec ses contacts locaux. Apparemment, ces hommes et lui se dirigeraient vers un sauna japonais du centre-ville. Il nous faut apprendre qui Shetland doit rencontrer et tout faire pour l'empêcher de conclure son affaire. L'attaque qui a coulé le Walsh en lançant à distance le missile de la batterie nord-coréenne a transité par Séoul. Mais nous savons maintenant qu'elle est venue du Japon. Shetland a manifestement quelque chose à voir dans cette affaire. Et ma connexion au serveur de Displace montre qu'il s'enrichit grâce à cette guerre. Nous devons l'empêcher de nuire et empêcher l'escalade du conflit, en identifiant ses partenaires et en nous assurant que ces derniers n'ont pas les algorithmes de Zerkesi en leur possession. Le sauna japonais dans lequel leur rencontre a lieu est un endroit semi-public, Fisher. Il y aura donc des civils, mais aussi un grand nombre de porte-flingues, très vraisemblablement. Les hommes de Shetland semblent avoir tous rejoint Tokyo, et ils convergent vers l'établissement depuis une heure. Frances Cohen a passé les derniers mois en Asie, et elle a découvert des liens entre les propriétaires du sauna et une organisation criminelle, les Nichin Rouges. Ce sont peut-être eux les partenaires de Shetland. Alright. Je sais que la dernière fois, j'avais dit que je ferais deux missions par épisode, mais là, pour celle-là, je pense que je vais la faire toute seule. Comme les deux dernières, je sais pas si je vais les mettre ensemble ou si je les fais séparément, parce que là, les missions sont de plus en plus difficiles et sont plus longues aussi, je crois. Mais en tout cas, je vais avoir ça rendu là, ça prend pas beaucoup de temps ou vice-versa, là. Parce que, c'est ça. Fait que ça se peut qu'elle, je la fasse, les deux dernières, je les fasse séparément et non deux par épisode, en fait. Mais bon, on va checker ça par la suite. Mais ça me semble, cette mission-là, c'est une des pires, man. Je l'aime pas, celle-là, je crois. Je viens de recevoir une requête de Frances Cohen, Fisher. Qu'est-ce qu'elle veut? Ça fait longtemps qu'elle cherche à introduire quelqu'un dans ce sauna pour espionner les Nichin Rouges. Elle veut savoir si tu peux mettre des mouchards sur les lignes téléphoniques. Si c'est pour Frances, évidemment. Il fait quoi? Il s'en va de ça quelque part ou... Qu'est-ce que tu fabriques ici? Ah! Seigneur! On est censé vérifier les connexions DSL pour qu'il n'y ait pas d'interférence. Pourquoi? Shetland a installé un réseau? Oui! Bon, ça me tentait pas de l'écouter parler, honnêtement, là. S'ils vont me spotter, eux autres. Pardon, tiens, on va installer ça, dépêche-toi. Beau travail, Fisher. Voilà pour la première ligne téléphonique. Occupe-toi des autres. Non, s'il te plaît. Ok. Et de la lumière un peu partout, ça me stresse. Et là, lui, il Ah, fuck, il va découvrir le corps. Il va trouver le corps, c'est sûr.
sauna japonais, Fisher. N'en tuez aucun. Je répète, aucun. Je serai prudent. Soyez même zen. Pensez Gandhi. Bien compris. Ah, la musique d'action, mon chum, là. Ouais, d'accord. Numéro 7 terminé. Bon, utilisons la manière douce. Tu m'apprends quelque chose d'utile et en échange, je ne te tue pas. Honnête. Non, ça me va, ouais. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Combien de... Pas mal sûr qu'elle allait pas me dire grand-chose. D'intéressant, je veux dire. Ces types n'ont pas l'air japonais, Fisher. Costume de marque taillé large aux épaules. Ils sont armés, aucun doute. Pour moi, ce sont des hommes de Displace qui sont là incognito. C'est logique. Doug sait se faire discret quand c'est nécessaire. Je pense que Shetland, c'est pas lui qui était venu nous voir la dernière fois au bar. Dans une mission. Comme un chum de Fisher, là. Un vieux chum. Pardon. Ok, ici je pense qu'on est carré. Vous allez devoir accéder au bureau pour voir qui Shetland est censé rencontrer, Fisher. Allez au nord de votre position, passez devant la réception et montez à l'étage. J'y vais. Oh, il y a quelqu'un qui est rentré, je pense. Il y en a un là. Ils viennent de sortir. Il faudrait que l'autre sort aussi. Il y a tellement trop de monde ici, là. Ah, ça fait chier. Qu'est-ce que tu fais, toi, va-t'en? J'essaie quelque chose, ok? Qui a éteint? What? Il va où, lui, là? Tu fais quoi, chum, tabarnak? Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, ok, t'es allé voir la Switch. Tabarnak, je l'ai pas ouvert la porte, je l'ai le pogné, esti. C'est épais, calice. Coopère si tu ne veux pas perdre une jambe. Qui? Dis-moi tout ce que tu sais sur l'endroit que tu gardes. L'entrée et le bureau de l'étage sont au nord. Les bains et saunas sont au sud. Bravo. Impressionnant de lâcheté. On me dit toujours que je suis trop gentil. C'est peut-être pour ça que je ne suis jamais de garde seul. Bon, ça passe ses proches par exemple, mais on est venu à bout. Qu'est-ce qu'il y a éteint? Quelque chose cloche. Et voilà. Aucun problème. Un camion bloque l'allée et j'ai envoyé les gars qui le déchargeaient boire un café. Quel gars? Bah, des travailleurs, quoi. Hein? Tu leur as dit d'aller boire un café à ta santé et ils l'ont fait? Je leur ai aussi donné 100 000 yens. Ah, je comprends mieux. N'oublie pas ta note de frais. Pas de risque. Et lui va dehors, lui s'en va.
going to lay out. Looks like just that amount. And here it is. Perfect distance. Just to the left of the green. An easy chip from here and a short putt from a nice safe par. Now, you can't afford to fall any further behind the leader. Now to the 18th. And our leader, with a two-shot lead, he has a difficult point. Tu sais ce qui m'intéresse? Shetland, j'imagine, comme tout le monde ici. Où est-il? Il doit rencontrer quelqu'un dans les bains privés au sud. Je ne sais ni qui ni quand, mais c'est pour bientôt. Quel est son plan de fuite en cas de problème? Je parierais pour une extraction par hélico depuis le toit. All right, merci. Passer par le toit ici. Aha! Salut! Pas le takedown. This is a very tricky shot. Water in front of to the right of the green. And he's wisely taking his time, deciding on just the right club. Good job. Right here, going to lay up. Looks like. Hey, ça va. And here it is. Perfect distance, just to the left of the green. An easy chip from here, the short putt from a nice safe par. Now. Ah merde. Ça va où lui-là là? Merde. Faudrait que j'attende qu'il retourne en bas. Pas le pète lui? Ouais, je peux. Je ne veux pas vous faire de mal, alors rendez-vous utile. Je sais beaucoup de choses. Excellent. Commençons par le début. Le code de la porte du bureau du propriétaire est le 3650. Bien. 3650. Il y a des types barricadés dans la pièce adjacente au bureau. Et un conduit d'aération murale relie les deux salles. Parfait. Ce fut un plaisir. Revenez quand vous voudrez. Ok. 3, 5, gros, je m'en souviens plus. Ok, il est parti vite. Curieux. Qui va là? Ah, c'est d'enfant de chienne. Ce que je peux faire, c'est ça ici. Check bien ça. Non, c'était pas ça, là. Je vais essayer, ok? Elle devrait pas être ouverte. C'est un fou? Ça devient chaud ici! Pourquoi que le gars, il est venu vers moi, calice? Elle était fermée tout à l'heure. Je
Ah, ça en a un autre. C'est sérieux, c'est deux différents. Ok. Il revient le calique. Ah, viens-t'en. Pourquoi c'est éteint? C'est ça, viens-t'en. Sortez de là et montrez-vous. Ah ouais, viens-t'en. Ben. Et voilà. Dans pile. Je devrais être correct. Trois, six, cinq, zéro. De Shetland est prévu dans les bains privés à l'arrière du sauna. Qui doit-il rencontrer? Apparemment, les Nichines Rouges. Cohen avait raison. Le propriétaire des lieux est impliqué jusqu'au cou avec la mafia locale. Ça ne ressemble pas au style de Shetland. Tant que tu n'auras pas trouvé du solide indiquant le contraire, ça tient la route pour moi. Je continue de chercher. Attends. On va repasser par ici, je crois. Pourquoi il y a une tonne d'action? Shit. Là, il y a une porte là-bas, il y a un vestiaire là-bas, je vais pouvoir aller passer par là. Hey, je parle pas beaucoup, mais je suis extrêmement concentré, man. Et vraiment concentré. Démerde-toi, chum, t'es. Ah ouais.
m'a spoté, mais bon. Ah, merde. Bon. Ça a pas marché. Mon plan, il a pas marché. Il s'est spoté. C'est cassé. Ah, il a même pas vu le reflet. Qu'est-ce que tu fais là, tout seul? Ah! Je vous en supplie! Qu'est-ce qu'il y a derrière les vestiaires? Un couloir! À droite, les bains publics! À gauche! Check les reflets quand c'est bien fait. La RTX. Saleté et cassé. On va le percer. Et voilà. Il n'y a personne ici. Aucun problème. Exactement ce que je pensais. Descends pas ici, toi, là. Terminé. Fantastique, Sam. Cohen me dit qu'il n'y a plus qu'un seul mouchard à poser. Good. Et vous faites quoi là, vous? Hé, hey, tu m'as flanqué la trouille! Désolé, la visibilité est vraiment pourrie. En cas de problème, ce sera presque impossible de se battre. T'as des lunettes de vision nocturne? Ça sert à rien ici. Si on avait des lunettes thermiques, peut-être. Il va falloir faire confiance à nos oreilles alors. Ouais. Sauf que j'entends plus très bien depuis Mogadiscio. T'étais avec les Rangers? Non, je travaillais plus ou moins pour le général Aïe. La fumée a disparu? Parce qu'il y a un bug. Ma question. Rien que des ombres et des fantômes. Fisher, le satellite vient de repérer une unité de troupes d'assaut de l'ISDF qui converge vers le Sona. Peut-être que les Nishin rouges ont vendu Shetland aux autorités. Je laisse l'ISDF régler ça. Pas avant la réunion de Shetland. Essayez de découvrir ce qu'il vient faire ici, avant que l'ISDF se charge de lui.
Pauline. Fuck. Ah. Tout le monde me... Je laisse l'ISDF régler ça. L'autre, il m'a vu. Réunion de Shetland. Essayez de découvrir ce qu'il vient faire ici avant que l'ISDF se charge de lui. Et voilà. Vous mijotez, vous avez intérêt à sortir de là. Pêche-toi. Yes, sir. C'était la dernière ligne, Fisher. Cohen te remercie. Dis-lui que c'était un plaisir. Ok, on le voit ici. Il va voir que la bougie est éteinte. Y a quelqu'un dans le coin? Là-bas! Ok, j'étais pas sûr si. Yes. Oh. Zachary. Oui, chef. J'ai vérifié les plans. Il y a un conduit d'aération qui débouche juste dans la salle de réunion. Et l'ISDF me rend nerveux. Vérifie qu'il n'y a pas de matériel de surveillance dans le conduit, tu veux? Oui, chef. Et fais vite, la réunion va commencer. Tout de suite. Ah, la mission est bien plus longue, hein? Ben, quoi que cela, à date, ça me prend 30 minutes environ, c'est pas si pire. Il va où, lui, là? Ah, tu fais quoi, man? Et voilà. Lambert, l'ISDF est dans l'immeuble. Est-ce qu'elle a agi? Tout va bien. Je n'arrive toujours pas à contacter Otomo. J'ignore ce qui se passe. Une petite minute. Oui, ça fera l'affaire.
Nous avons tout vérifié. Aucun risque. Seigneur, Lambert, l'ISDF n'est pas là pour abattre Shetland, mais pour le rencontrer. Ce sont eux, ses partenaires. Oh mon Dieu, restez où vous êtes. Il nous faut plus de détails pour les chefs d'état-major. Ils ne sont pas là. Nous n'allons pas vous suivre dans tout Tokyo jusqu'à... Cool, Canada. Je vous dégraverai sur disque, c'est tout. Ah, vous vous fichez de moi. Il faudrait être fou pour les télécharger sur un réseau public. Que comptez-vous faire? Allons, du calme. Vous avez raison, mais je ne suis pas fou. Les hommes nous ont installé un réseau fantôme, indépendant de l'Internet et totalement sûr. Alors, asseyez-vous, vous aurez tout dans 4 minutes. Du calme. Lambert. Laissez faire, Fisher. Nous ramasserons les morceaux quand ce sera fini. Épargnez-moi ça, je connais le coup. Défendez votre honneur pour couvrir vos mensonges. Alors je vérifie le compte bancaire, ou on se tire dessus tout de suite. Canada, tête sous moi. On peut s'arranger. On passe au plan de repli. L'hélico est en route. Bien. Personne ne doit passer ici. Bien, monsieur. Fisher, Shetland doit mourir. Je sais. Crève, charogne, tu vas crever. La théorie du chaos, man. La théorie du chaos. C'est le titre du jeu, chum. Comme fucking god. Oh, on est prêt? Je crois qu'on a perdu. Là-bas! Confirmé. Parce que si tu m'attends. Attends, là, ce sera pas bien long, je vais attendre que mon pistolet débuzz. Et si tu m'attends. C'est pas que j'essaie de passer inaperçu ou je les pète. Alright, ça c'est bien fait. Personnellement, ça s'est bien fait la mission, man. On va pas parler trop vite parce que là, le pays s'en vient. C'est inutile, Fisher. Tu ne sauras pas quoi faire de moi si tu m'attrapes. Alors pourquoi me traquer? Mon Dieu, Fisher. Shetland a placé des bombes dans la salle de la chaudière. Vous devez les trouver, et vite! Quelqu'un nous a bousillé ça. Jason et Lambert font ce qu'ils veulent de toi, Fisher. Vous retenez qu'une arme comme une autre. Ah, l'enfant de chienne, il m'a vu. Y'en
en avait-tu un autre ou non? Ah, y'a donc. Man, j'ai plus de vie ici. Tu es devenu l'instrument d'une politique dans laquelle tu ne crois pas, Fisher. Va-t'en. Ah, j'ai de la misère. Ah, j'ai un pistolet. Le voilà. Ah, j'ai plus de vie, man. Ça va être vraiment difficile, sérieux, là. Ça allait fucking bien, le dude, il me genre décalisse. Ah, je vais recommencer, j'ai... Yes. Je pensais qu'il y avait une trousse de soins ici. Ah, t'es-tu sérieux, chum? Fuck you, man, je remonte pas en haut. Pourquoi qu'il veut pas sauter? Ah, oh, si c'est pas A pour sauter, Chris d'épais, c'est Y. Désolé, man. C'est le stress qui a embarqué. Viens remplacer les liens du sang. Et nous avons saigné ensemble, toi et moi. Ne sacrifie pas ton honneur à leur manigance. Spouse. Cette fin n'est pas inéluctable, Sam. Non. Mais tout ça doit cesser. Nous sommes bien d'accord. Toute notre vie durant, nous avons mené leur sale guerre, et ça nous a mené où? À nous tenir en joue, comme dans un mauvais western. Rien n'a changé, Fisher. Et c'est pas près d'arriver. Abattre le système et tout reprendre, voilà le seul moyen. C'est ta théorie du chaos, hein? Plonger le monde dans la guerre, en espérant qu'il sera meilleur après. Il le sera, oui. Car cette guerre changera les choses. Toutes les précédentes voulaient surtout conserver l'ordre établi. Mais c'est fini, bien fini tout ça. L'Amérique est malade, Sam. Elle se meurt. Les politiciens, les bureaucrates et les accords secrets, ce ne sont plus que des soins palliatifs pour une vieille dame morte depuis longtemps. Les seuls accords secrets que j'ai vus récemment sont les tiens. Tu es un assassin, un criminel. C'est ainsi que le gouvernement nomme les révolutionnaires, Sam. On ne devient un héros que quand on a gagné la guerre. Tu le sais bien. Notre monde se construit par le bas. Jamais l'inverse, non, jamais. Honneur, courage, fidélité. Ces concepts, il ne nous les apprend pas, Sam. Ils nous servent à le créer. Et toi, Sam, je sais que tu crois plus que tout en ces idéaux. Et que quoi que tu puisses en dire, tu ne tireras pas sur moi. Doug, tu vois, tu m'as mal jugé.
Wow, man. Ouais, parce qu'on s'est fait civil assommé 2. Corps trouvé 1. Nombre de fois détecté par intrus 44. Voyons, 44 fois. Ben, moi, je trouve que ça s'est super bien fait, man, parce que la mission est quand même vraiment difficile. Ah, mais écoutez, non, on va cesser là-dessus, man. Donc, c'est 40 minutes d'épisode. Je pense que je vais faire les deux. Je vais faire les deux dernières missions séparément, je pense. Donc, un grand merci à ce qu'on peut en regarder. Puis nous, ben, on se retrouve pour la suite, quand avec l'épisode final, man. Restez à l'écoute. À la prochaine. Ciao.